Petit. Le petit monde de Billy. Plus je vieillis et plus je réalise qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est pourquoi, après les lois de Murphy, j'ai créé... Les lois de Billy. Dans un échange de cadeaux, même si on est juste six dans la famille, puis on se consulte, on a de la misère à fixer un prix. Les pétrolières, qui ne se consultent pas, réussissent sans se parler à augmenter le prix du gaz au même moment, en même temps. Wow! Et du même prix. Ben oui! Quand j'achète des lunettes soleil, il y a le premier mois où je les nettoie et les remets dans l'étui. Et il y a le reste du temps où elle traîne à terre dans le fond du char avec des traces de toit d'invite. De doigt, j'ai dit toit. Oui. Oui. On s'ostinera pas. Hein? Si ta plate-bande est pleine de pissenlits, c'est sûr que ton voisin va te faire suer avec une plate-bande magnifique. Si ta plate-bande est magnifique, c'est sûr que l'épais d'à côté aura pas coupé ses pissenlits. Dans la vie, il y a ceux qui, comme moi, s'occupent de leur hygiène dans la salle de bain. Et il y a ceux qui, en jasant, sortent un coupon et se coupent les ongles dans un meeting après ton show de radio. Hein, Tammy? Hey, j'ai fait ça une fois! C'était la fois de trop! C'est toujours quand tu sors confiant d'un endroit que tu vas tirer la porte sur laquelle c'est écrit « pousser ». Je sais pas comment faire un massage cardiaque. J'ai aucune idée comment survivre en forêt. Mais quand elle joue, je connais les paroles de la vallée de Dana. Aucune idée pourquoi. Extrait. Dans la vallée oh, oh, de Dana, dans la vallée oh, oh, j'ai vu... Attends. OK, on se tamboque! Si tu fais la file pendant plus de 10 minutes pour obtenir un café, c'est sûr que rendu au comptoir, la personne en avant de toi saura toujours pas ce qu'elle veut. Ça fait 10 minutes qu'on attend! C'est toujours quand tu reçois à souper quelqu'un qui est bon avec son barbecue que le gras coule puis le feu pogne dans le tien. Quand ma blonde va chez la coiffeuse, elle revient avec des discussions passionnées qu'elle a eues. Quand je vais chez un coiffeur, je réalise que je reviens avec des discussions dont je me casse. Donc, tu te quoi? Me calme! Quand tu expliques les règlements d'un jeu, c'est toujours la personne qui te tape le plus sur les nerfs qui, au lieu de te laisser finir les explications, te coupe pour te poser tes questions sur ce que tu t'apprêtes à expliquer. Plus une vidéo est dégueulasse sur Facebook, plus ma blonde va l'écouter en disant « Ben voyons, c'est bien dégueulasse, je peux pas croire qu'il y a des gens qui mettent ça sur Facebook. » Peut-être parce que tu l'écoutes! Dans la vie, tu peux réveiller les gens avec une alarme ou ouvrir les rideaux. Ou juste acheter des croissants à l'épicerie et ouvrir la boîte de plastique cheap. Ça devrait réveiller pas mal tout le monde dans la maison. Et finalement, la meilleure façon de savoir si quelqu'un a une voiture électrique, c'est de l'écouter parler. Et il va t'en parler. En semaine, dès 5h25. 96.9.